Yeah.
Comment, s'il vous plaît? On va prendre le temps. Nous allons prendre le temps. Nous allons prendre un... Comment? De toute façon, on pourra refaire derrière. Attention. Alors, peu avant 21h, au niveau du 102 avenue des Champs-Élysées, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'un quart de police de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, quart de police qui était en stationnement avec des effectifs à l'intérieur, mais aussi des effectifs qui étaient en sécurisation sur le trottoir. Immédiatement, un homme est sorti du véhicule et a ouvert le feu sur le véhicule de police en blessant mortellement un policier de la préfecture de police de Paris. L'homme a ensuite essayé de courir sur le trottoir en prenant pour cible les policiers. Il a réussi à en blesser deux, a priori très sérieusement. Deux policiers qui ont été blessés et d'autres policiers qui ont riposté en tuant l'assaillant. Le quartier, bien évidemment, a immédiatement été bouclé avec des forces d'intervention, des forces de secours dépêchées sur les lieux afin de sécuriser la zone. Ce travail continue, c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'ensemble des habitants, à la fois du secteur, mais également tous ceux qui auraient pu être tentés par le fait de venir sur les Champs-Élysées ce soir, d'éviter la zone afin de permettre aux opérations de police de se dérouler dans la plus grande sérénité. C'est évidemment un drame pour la police, un drame pour notre pays, puisque un policier a été tué, deux autres ont été sérieusement blessés, ils ont été a priori délibérément pris pour cible. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire et c'est donc désormais, en ce qui concerne l'enquête, le procureur de la République, François Molins, qui communiquera un certain nombre d'éléments. Contrairement à un certain nombre d'informations qui ont été données, il n'y a pas de deuxième policier qui soit décédé. Deux policiers qui ont été sévèrement blessés, grièvement blessés, qui ont été immédiatement pris en charge par les secours et évacués vers des structures hospitalières. Quant à l'identification de l'agresseur, elle n'est pas pour l'instant établie de manière précise et claire, et toutes les informations qui circulent ne sont pas encore des informations fiables et vérifiées. Il y a beaucoup de prudence à avoir. Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête. Les investigations se poursuivent, tandis que la sécurisation des lieux se poursuit également, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait également un ou plusieurs complices qui aient pu participer d'une manière ou d'une autre à la commission des faits. A priori, dans cette commission des faits, selon la cinétique et les témoignages qui ont été recueillis, il n'y avait qu'un agresseur. Maintenant, il faut recueillir tous les témoignages qui permettront d'avoir une idée précise sur le déroulé total des événements. Beaucoup de prudence, beaucoup de calme aussi par rapport à cette affaire qui se déroule en ce moment. L'homme est fiché, si vous pouvez nous dire. Non, vous voyez, je viens de vous dire que l'identification de l'individu de l'agresseur n'était absolument pas clairement établie. Donc à partir de ce moment-là, je ne vous donnerai pas d'informations sur le passé, et notamment le passé judiciaire éventuel, de cette personne. D'autant que c'est une enquête judiciaire. Si il est avéré que c'est un acte terroriste, évidemment ce sont des faits extrêmement graves, et qu'il peut y avoir des complices à aller chercher, des investigations à mener, éventuellement des perquisitions, des actes d'enquête extrêmement importants. Vous l'avez vu cette semaine avec ce qui s'est passé à Marseille, nous faisons face à une menace terroriste particulièrement élevée. Et dans le domaine des investigations, tout élément qui ne serait pas vérifié, prouvé et qui serait divulgué de manière prématurée peut mettre en danger les investigations. Je précise que était sur place le procureur de la République de Paris, qui est toujours sur place avec les enquêteurs de la police judiciaire, le préfet de police, Michel Delpech, des élus, Madame Hidalgo, Pierre Lelouch, le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl s'est tenu au courant, évidemment, dès les premières secondes du déroulé des opérations. Il y aura certainement un certain nombre de réunions ce soir au cours de la soirée et des messages qui seront exprimés par les autorités politiques en temps et en heure et en temps opportun. Il y avait une alerte spéciale sur les Champs-Élysées ce soir, ces derniers jours? Il n'y a pas de menace
particulière, mais vous savez très bien que la menace terroriste, elle est particulièrement élevée dans notre pays. Menace terroriste générale qui peut viser notre pays, qui peut viser des lieux symboliques tels que les Champs-Élysées. Mais il y a aussi une menace contre les forces de sécurité, envers les forces de sécurité, que ce soit les forces de police. Je vous rappelle malheureusement le drame qui avait déjà endeuillé la police nationale, le drame de Magnanville. C'était il y a moins d'un an. Il y a des militaires de l'opération Sentinelle qui ont été aussi pris pour cible récemment à Orly, mais également au Louvre. Donc les forces de sécurité, comme des lieux cultuels, mais des lieux symboliques et touristiques, peuvent être de menace. De toute façon, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le sang-froid de l'équipage de police, puisque même si un des policiers a été abattu, ses collègues ont tout de suite accompli des actions réflexes qui ont permis la neutralisation de l'événement, de l'individu. Et au cours de cet événement, il n'y a pas eu de tiers blessés, et la population qui était présente, et on peut le comprendre en nombre à cette heure de la soirée sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu de blessés parmi les touristes, parmi les passants. Et donc il y a une réaction avec beaucoup de sang-froid de la part de l'équipage de police, de la préfecture de police qui était en sécurisation sur les Champs-Élysées. Confirmez-vous quelle arme? Je vous confirme qu'a priori c'est une arme automatique qui a été utilisée. Ouais. Le modèle et le type, je ne vous le donnerai pas, et ce sont des éléments qui appartiennent à l'enquête, mais a priori c'est une arme de guerre, une arme automatique qui a été utilisée par l'agresseur pour s'en prendre aux policiers ce soir. Merci, je vous remercie. Nous ferons. Non, il n'y a pas d'autres événements en cours. Là aussi, faisons très attention tous collectivement aux rumeurs qui peuvent circuler. Il y a eu des rumeurs d'autres événements qui auraient pu être liés. Il n'y a pas eu ce soir d'événements autres dans la capitale liés à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Pour autant, il y a, comme chaque soir et chaque jour dans Paris, un certain nombre d'événements qui peuvent être aussi graves, mais pas forcément liés à des événements comme on a connu ce soir. Donc il y a, madame, ce soir un seul événement de ce type qui se soit déroulé à Paris. Il n'y a pas d'autres actions en cours et il n'y a pas eu d'autres actions en cours, et j'en resterai là. Nous avons donné un certain nombre d'informations et il y en aura d'autres qui seront données à la fois par les autorités et les pouvoirs publics, mais bien évidemment par l'autorité judiciaire en la personne de François Molins. Merci beaucoup. Merci, c'était tout pour l'instant. Merci. Voilà. Merci.